mouri et depuis dimanche en Babon et c'est l'armée qui était loyale à Bachar al-Assad là pour gouvernemental là qui a mené opération ça yo dans zone côté que rebelle de refuser de déposer les armes qui chita en distance quelques dizaines de kilomètres capitale la Damas selon information observatoire syrien Edouard Moun OSDH qui basé Grande-Bretagne mais qui gagne un réseau souterrain dans le pays Syrie qui transmet des informations. Il y a un hélicoptère et l'armée loyaliste et avec gros armes de roquette qui a des barriques explosives sur des villes et villages dans la zone ça qui est dans l'est capitale là et côté il y a environ 400 000 monde qui a vivent. Il y a des photos que l'agence britannique Reuters a publiées et des enclaves là qui montraient des nègres qui a fouillé et gravoyo en bas caille qui crasé yo et moun sa yo y a des moun qui bayan sang nan main yo y a essayé entrer dans quelque hôpital qui a fonctionné toujours ou bien y a caché dans série de rue côté ces débris seulement qui gagne nous attendons tout pas nous pour nous mourir et c'est seul bagaille qui était pour nous c'est seul ça me capable dit c'est ça Bital Abou Salah qui a 22 ans qui a vivent Douma dans zone là et une grande ville qui gagne dans Outa Oriental là et la ville avec madame ni qui est enceinte qui gagne 5 mois enceinte et pratiquement tout le monde qui a vivent ici là journée jodia c'est en bataille a vivent dans abri que 5 ou 6 familles pour pipiti dans chaque abri yo pas gagne manger pas gagne marcher pas gagne médicament pas gagne de l'eau ou pas ca sorti. Un système alerte défense civile et que citoyens mettent campé sous pied dans pays Syrie au service secours et dans zone et côté que opposition a fait face à régime là il y a des monde qui pour dire qu'il est un avion qui pourrait le bombarder à décoller et alors il y a été alerté pour y a côté pour le cacher il a dit que c'était un baisse la nuit là mais depuis grand bout de matin avion a commencé à décoller chaque 3 ou 4 minutes et dans Damas et avec gens que y a pilonné toute zone ça yo craignent que situation pas plus grave et organisation internationale qui a défendu droit monde et tant que secrétaire général Nations Unies par exemple la parole journée aujourd'hui Antonio Guterres portugais il lance un appel pour immédiatement et Damas qui donc gouvernement Bachar al-Assad là allié lui qui c'est pays la Russie avec Iran pour yo suspendre ça y a fait dans route orientale là et il t'a parlé devant Conseil sécurité Nations Unies et il dit que monde qui dans zone ça c'est dans l'enfer sous la terre à vivre pratiquement et il dit que il demandé pour soutenir proposition la Suède à Koweït et fait qu'il demandé Conseil sécurité pour demander gouvernement syrien pour faire un cessez-le-feu pendant 30 jours déposer les armes mais la Russie qui s'est alliée et Bachar al-Assad et qui a droit de veto dans le Conseil de sécurité a déjà levé campé contre proposition la Suède à Koweït là il dit pas de bagaille comme ça il dit proposition ça pas réaliste selon ambassadeur Wislan dans Nations Unies il dit que nous pas capable dans affaire de déposer les armes gens que n'a demandé là il dit c'est un processus qui très long et qui très complexe pour nous d'affaire d'après ça ambassadeur Wislan dans Nations Unies Vassili et Nebenzia déclaré pendant t'a parlé de proposition ça l'armée Wislan parle tout il déclarait journée aujourd'hui à combat à bras poursuivre dans zone ça c'est parce que rebelle de refuser de déposer les armes donc tout autant que pas fait ça pas aucune solution pacifique dans dossier ça selon l'armée russe qui déplotonnait et bon côté Bachar al-Assad et l'armée Wislan reprochait rebelle syrien d'après avoir de refuser de déposer les armes et continuer à faire résistance devant force pro-gouvernemental yo l'armée Wislan accusé rebelle d'après avoir empêché population civile là quitter zone conflit et bien il y a un commissariat Nations Unies droit monde qui dénonçait une campagne de terreur pour éliminer civils yo et droit et loi sous humanité internationale d'après ça le rappeler yo te mettez sous place justement c'est pour te résoudre genre de situation ça yo.